Seigneur, il y a trop de blocages sur ce pays. On veut les déblocages. Déblocage toi-même. Quel déblocage? Qui t'a bloqué? Seigneur, il y a un blocage ici. On a mis ce pays ici sous les fétiches et les francs-maçons et les rose-christiens. Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non? Pourquoi ils ne bloquent pas la France? Il y a quelque chose. C'était également l'avion spécial affrété par la République démocratique du Congo pour ramener les dons. CVO est arrivé ce jour à l'aéroport international d'Ivato. On voit en plus de l'INRB, le CMK et HJ au hôpital qui vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc... Visite du centre Covid-19 du CMK, réalisée en quelques semaines sur la base d'un hôpital de campagne. Nous sommes dans la première... En plus de l'INRB, le CMK et HJ au hôpital qui vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience, ça prendra un peu plus de temps, mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger dans vos foyers. Visite du centre Covid-19 du CMK, réalisée en quelques semaines sur la base d'un hôpital de campagne. Nous sommes dans la première salle, poste de commandement, salle de déchoc, et puis plusieurs modules de 3 lits. L'aspirateur arrive au compte-goutte, mais ça arrive. On se dirige vers le fond et... Donc dans cette première salle, 9 modules de 3 lits d'horaire. Accueil. Deuxième salle. Poste de commande. Salle de déchoc dans le fond. Ici, ça sera plus au laboratoire principal du CMK. Salle de repos. Pour le personnel sanitaire, on repart sur le devant de la salle. Donc dans cette première salle, 9 modules de 3 lits. Danger de contagion. Oui. 3 mois, 4 mois ici, la vie sociale, on arrive pas, on a des familles. Ça fait 3 mois. Vous êtes un mois. Ma revendication est celle-ci.
En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. Pourquoi? À cause de tête. Ça va? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement? Pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus. On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye. Que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soignés ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit trois fois. Non, c'est pas trois fois. Tolembi, au juste, baki na biso poto kufa. Si on a ce qui to kufa ka, wana ndesi ko e banga bazomba mo babimisi biso, baki ko kunda biso. On en a marre. Le staff a dit que mango na yeli mtezole sa biso nezo foute la biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, tu es qu'on s'abusait naïe. Tous les Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, aux autres cabines, tous les gens qui ont dit ça. Babo ito bima pom bango ezate bo futite. Il est arrivé hier à la résultaté. Trois fois. Attends. Trois fois pas arrivé. Il mange trois fois. Hein? Il mange trois fois, yes? Mais pourquoi ils disent une fois? Où est parti les 1,8 million que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? Hein, on ne voit pas ça, on est séquestré. Ah, okay. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non. Vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait. S'il y a des diabétiques parmi eux... On contrôle les diabétiques. Hein? Okay. Bon, problème, c'est ça. Ah, c'est un problème, il y a coronavirus. Coronavirus, c'est un malade, il y a le coût dans le Congo. Vous êtes 20 ans à cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Oui. Donc, il n'y a rien qui est chloroquine de merde. Oh, bah, après, ça va tout. Le lot va pas tous les jours. Qui sont ceux qui sont athées? Bah, toi, bah, couffine à coronavirus, au bout d'une cinquantaine, on a vivre en haut. Bah, couffine à corona thé. Bah, couffine à négligence. L'indien, on a couffé qui a couillé, qui a sali l'hémorragie cérébrale. Bah, il faut traiter 3 heures après à couffi. Bah, combien au coronavirus? Par rapport à couffine, mon colo, bisotoya qui a en cinquantaine.
azana maladie ba sucre et tout ba tension ba négligence comment on a vidéo to kotina no vidéo ba pana sali crise yé moko abi fulufulu na zolo ayik ba okuté ba komi coronavirus makambo se le kana mboka oyo buzoka ngaba tusuna ba kasho buzoka ngaba tusuna ba kasho ba détourner et tout et tout. Docteur Mouyembe, Azoeba, oh, Azo Sala, parce que tant que. Bayaka visite la maladie. Tant hôpital, ils ont réclamé que. Bazo c'est l'autre côté du gouvernement. Docteur Mouyembe, il m'a ramazo Sala. Ok. Koliambongo, il y a un ministre de la Santé. Bien autorité vous maman en charge mouyer mais libérer dans l'hôpital ça va aventure ça là va aventure de merde là donnez même du lait ou je sais pas moi mais pas de oui. Également, l'avion spécial affrété par la République démocratique du Congo pour ramener les dents CVO est arrivé ce jour à l'aéroport international d'Ivat. Alors comme vous voyez, au niveau du peuple malgache, la pandémie a touché près de 160 ou 180 personnes, vous entendez, qu'il y a zéro décès. Je crois que nous allons donc exprimer tout ce que vous avez eu donc, à traduire par votre sympathie, par votre gratitude et par surtout.